この一つのボールで世界を変えよう。皆さん寄付してください。お願いします。Ein Ball kann das Welt ändern. Du kannst auch. Bitte spenden. Una parola può cambiare il mondo. Parla anche tu. A ball can change the world. So can you. Make a donation today. Bonjour et bienvenue dans cette sixième journée de la compétition, 9e édition de la Coupe du Monde des Sans-Abri ici à Paris, au Champ de Mars. Je suis Vincent Fabre pour les commentaires en français et je vous propose de suivre là le match qui oppose le Cambodge en haut rouge et blanc, short rouge et chaussettes bleues, à l'Allemagne en maillot blanc, short noir, chaussettes noires et blanches. Deux équipes qui ne comptent actuellement aucune victoire. Sont en fin de groupe, donc on devrait voir des buts, des équipes qui vont essayer d'accrocher un résultat aujourd'hui. On rappelle les règles, demi-temps de 7 minutes. Chaque équipe comporte 3 joueurs de champ et un gardien de but. L'équipe qui attaque peut attaquer avec la totalité de ses joueurs de champ, mais l'équipe qui défend ne doit pas défendre avec plus de 2 joueurs et doit toujours laisser un joueur dans la zone de l'adversaire. Et là, les Allemands qui auraient pu bénéficier d'une belle contre-attaque, mais ce n'est pas cadré. On rappelle, le gardien ne peut pas sortir de sa zone et il est le seul à pouvoir contrôler la balle dans sa zone. Voilà. On joue derrière pour les Cambodgiens. On fait tourner la balle maintenant. Ah, attention, le Cambodge en attaque pour essayer de... Non, le contre-allemand là maintenant. Les Allemands qui rejouent, voilà, à l'opposé. Et il ne peut pas jouer, le joueur allemand, il a raison. Et oui, il ne peut pas revenir dans son camp là. On frappe devant, mais ça ne sort pas. Toujours défendre à deux, c'est la règle. Voilà, les Cambodgiens qui sont à l'attaque maintenant. Toujours dans le camp allemand. La frappe peut-être, non, on décale sur le côté. Voilà, la frappe. Derrière, et c'est contrôlé par le gardien allemand. Voilà, là, le joueur allemand qui frappe. Le gardien cambodgien parvient à contrôler la balle. Il peut s'en saisir et relancer son équipe. Voilà, on est dans le camp cambodgien. Attention, les Allemands qui récupèrent la balle, qui frappe. C'est contré. La frappe du numéro 9, Michael Bick. Les Cambodgiens à l'attaque maintenant. Peut-être une frappe, non. On essaie de trouver une position pour pouvoir déclencher. Il faut qu'ils montent un petit peu leur bloc là, les Cambodgiens, ils sont trop loin. Et la défense allemande n'est pas vraiment sous pression là. Elle contrôle bien. Peut-être une frappe non plus. On revient. Frappe, c'est contré. Deuxième frappe maintenant, la défense allemande qui peut se relancer, attention. Voilà, Michael B qui peut essayer de frapper. Non, il n'a pas pu contrôler sa balle. Allez, ça rejoue maintenant, on avance. Le contre-allemand maintenant, attention, la frappe et le... Oh! Eh oui, ouverture du score. Ouverture du score par le numéro 10 allemand, Ralf Jung. 1-0 pour l'Allemagne. Attention à la petite glissade. Et oui, le terrain, il a plu cette nuit sur Paris. Le temps est encore à la grisaille et le terrain est humide. Donc les appuis sont un peu glissants. Attention, là, le contre-allemand, Michael Bick qui a failli... marqué un but, non, la relance n'était pas bonne. Il faut que les relances du gardien soient jouées, quand elles sont jouées à la main, soient faites en dessous de l'épaule. On va donc faire refaire la relance au sol. Voilà, parfait. Les Cambodgiens à l'attaque maintenant qui sont menés à 1-0. Dans le camp allemand, la défense allemande qui se dégage. Tout de suite la relance rapide, Michael Bick devant, qui va frapper. Non, c'est à côté, décidément. Pas de break là pour les Allemands, toujours 1-0. La petite glissade du joueur cambodgien, mais non, c'est bon. Peut-être la frappe de loin. Bel arrêt là.